Et bien bonjour à tous, c'est Zolran, on se retrouve pour ce 13e épisode de Splinter Cell Blacklist. Et donc, oh putain, c'est un peu la merde. Parce que je reprends là en plein milieu de. Enfin, pas vraiment à la suite, en fait, j'ai fait une petite pause. Mais sinon, ouais, globalement, je reprends un peu à la suite du. De l'épisode précédent, comme d'habitude. Mais. Ok. Du coup, je vous rappelle, on devait s'infiltrer dans le QG de la Al-Qods en Iran pour savoir leur lien avec la Blacklist. Négatif, Sam. L'IMS est muet comme une carpe. Ok. Bon, et du people. Dispersez-vous et cherchez. On se bouge. Ok. Bon, putain, c'est pas facile, hein. Comme je le dis, c'est pas facile. Hop. Allez. Voilà. Là, logiquement, il va essayer de venir, je pense. Il pourrait péter les trucs, mais. De toute façon, je suis en train de demander si. J'ai entendu un truc. Ouais. Bah, t'as qu'à venir. On te coupe des boules. Voilà. Hop. Putain, ouais, y a du monde derrière aussi, j'avais pas vu. Bon. Laisse tomber, hein. Je crois qu'on va rusher. Hein. Allez. Il respire, mais il a dégusté. Ouais. Bah écoute, il va déguster autre chose là. Ah, j'ai un peu passé par là aussi. Ok. Bah là, on est bien là. Ah, bah c'était pas là où on était, non? Ouais. Donc il faut que je descende, non? Ah, pas sûr. Si, en fait, il faut que je monte. Voilà. Et là, il va falloir que je descende, je pense. Pas sûr d'aller au bon endroit, mais bon, écoutez. Ouais, non, si, c'est ça. Là, on va monter, on va descendre, là. Ah non, là, on monte. Ah, d'accord. Ok. Bah, très bien. Je suis content de savoir qu'il y avait un truc ici aussi. Sauf qu'on est quand même sorti en plein milieu du truc. Enfin, j'avais vu que c'était dans la cour, mais. Je pensais que c'était un peu plus caché que ça quand même. Donc c'est pas là, très bien. Ça c'est bon à savoir. Donc en fait je pense qu'il fallait juste descendre. De manière très simple. Voilà, comme ceci. Et ah voilà. Bon. Ah. Il peut regarder là-dedans, ouais, il peut regarder apparemment. Enfin il va pas se baisser je pense mais... Vas-y. Hop. Voilà. Ok. C'est pas grave. Il est inconscient. Ah bah toi aussi t'es inconscient. Est-ce que je peux? Non, ça fait rien. Ok. Je vois pas où ils sont les autres. Bon, là on est tranquille. Non mais c'est bon je pense. Hein. Go. Ah oui je m'en souviens de ça. Ah, c'était chelou ça d'ailleurs. Bon, comme d'habitude, on va se déplacer par en haut, c'est plus simple. Ouais. Pas être facile, hein. Ah ouais, putain, ça va pas être facile là. Commencez à chercher.
Ok. Je pensais qu'il allait pas nous taper. Donc faut vraiment l'avoir par derrière et qu'il se retourne pas quoi. Ça c'est bon à savoir. Est-ce que je peux pas essayer de passer par en dessous? Ouais, on va faire ça. Alors attends. Voilà. Voilà. On va le cacher vite fait. Voilà. Allez, réponds-moi. Putain, il y a du monde là. Donc là, de toute façon, en plus, ils peuvent voir dans le noir, donc c'est pas forcément bénéfique pour nous. Ah ouais, putain, là, ils sont partis. Là. Oups. Hop. Est-ce qu'il y a un corps là? Non. De toute façon, non, j'ai caché le corps donc ils nous verront pas. On va voir lui. Lui, il est de type relou. Bon, je vais devoir attendre qu'il arrive du coup. Hop. Voilà. On peut pas se suspendre, putain, c'est chiant ça. Est-ce qu'on peut pas genre en tuer un ou deux comme ça? Ouais. Hop. Voilà. Et du coup il en reste un ici. Et il est trop loin donc Oh, je pourrais à la limite. Non, je peux pas. J'ai toujours pas essayé mon sniper silencieux d'ailleurs au passage. Hein. Vous l'aurez remarqué. Attends, j'ai vraiment envie de l'essayer quoi. Yes. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Bon, du coup, il en reste un qui a un casque là. Donc, ça va pas être facile lui. Faut que je l'ai soit en neutralisation aérienne, soit en neutralisation furtive de base. Tu peux descendre s'il te plaît. Mais là, c'est pas facile. Là, je vois personne dans la zone. Putain, j'aime beaucoup cette arme, quoi. Par contre, je préfère quand même le silencieux, parce que... Là, je suis un peu cramé, sinon. Oula, oula. Oula, oula. Attends, on va essayer de l'avoir au sniper, lui. Il est reparti ou... What, mais il est où? Ok. Et là, il y en a un là. Ok. Alors lui, il est déter là. Déployez-vous et continuez à chercher. On sera pas trop de deux pour chercher. Il reste que les deux là, mais. Ok, on y va. Ah, je suis cramé là. Il en reste un là-bas aussi. C'est compliqué là. Là, je vous avoue, je sais plus trop quoi faire. C'est pas ouvert ça. Oh putain. Oh, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est chaud putain. Alors lui on va essayer d'aller par derrière là. Voilà. J'aurais préféré l'avoir autrement mais là j'ai pas trop le choix je crois. On va remonter. Hop. Il y en a un aussi, il n'y a plus que deux du coup. Je vais essayer d'aller choper l'autre là. Hop.
putain. Hey, que quelqu'un vienne m'aider. Oh putain, putain. Putain, à la limite. Je crois qu'il est mort. Ah bah oui, il allait bien mort là. Non, non. Un de nos hommes est tombé. Trop risqué. Mais là, je peux pas du tout cacher quoi. Putain, c'est chaud. Ok. Bon, là on est bien. Faut juste que j'arrive à. À l'échapper lui. Enfin, à échapper à lui quoi. Ok, dans l'autre salle, très bien. Hop. Un petit portable. Bon, on va éviter. Du coup, on est bon. On est même très très bon. Putain, 40 000. Oh putain, c'est énorme. Il est toujours dans le coin. Continuez à chercher. Ouais, mais. Ouais. Oh merde. Putain, non, je. Oh, je suis dégoûté. Voilà. Oh, j'étais dégoûté qui m'a repéré quoi. Mais putain, on va où après? Oh putain. Oups. Voilà, là ça a explosé sur lui. Non. Non mais à quel moment? Vas-y, on décale. Bon, décale. Oups. Oh putain. Je suis dans le hall et je vais sortir du bâtiment. Il y a un portail sécurisé sur ton chemin vers le point d'extraction. Tu dois être près d'une salle de contrôle de sécurité. Connecte-toi au terminal et on craquera les portes. Putain, j'ai défoncé la porte, quoi. Bon. Laisse-moi regarder, je vais voir à quoi je peux accéder. Oh, génial. C'est bon, Sam. Une minute et je t'ouvre un chemin vers la sortie. Ça donne quoi pour l'extraction? J'y travaille, Sam. Ah, merde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des renforts qui débarquent. Charlie, accélère le mouvement. Je suis à fond, là. Aucune nouvelle de l'armée iranienne? Aucune. C'est bien ce qui m'inquiète. Ils font profil bas. C'est une situation plutôt embarrassante pour eux. Sors de là, Sam. Tu joues avec les forces spéciales iraniennes et tu manques de temps. Ouais. Et voilà, c'est bon, Sam. Les portes de sécurité sont ouvertes. Ouais, j'avoue que... En attendant, continue à chercher comment me faire sortir. Damn. Ah là, c'est carrément chaud quoi. Oh, comment je vais faire? Là-bas. Hop. Désolé mon gars, mais là t'as un peu trop voulu faire le chose. T'as voulu faire le hoche. C'est pas à qui tu t'adressais. On va essayer de le tuer. Tu peux. Voilà. Merci. On va reprendre le sniper là. Voilà. Et lui, alors lui, il est carrément déter. On va éviter de le faire chier. Ah non mais lui il est carrément chaud quoi. Alors je crois que je peux monter. Non pas du tout. C'est très bien. Si je peux monter hein. Voilà. C'est quoi cette prise de musique Oh putain putain. Pourquoi il y a une sorte de musique Il est là. Et putain, tu prends la pute. Ah là 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 là. Ah, je suis dégoûté. Bon, je sais pas si je vous fais une ou pas, mais en attendant, continuez à chercher comment me faire sortir. Allez.
Bon. On va refaire ça rapidement. Oups. Allez. Allez, sort. Oui. Ça j'ai vu. Mais non, mais... Oh là là. Attends. Ouais. Hop. Voilà. Vous avez voulu faire les shows. C'est pas drôle, mec. Non mais ton pote là, il est 16. Oh, attends, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouf. Ça, je peux te garantir que ce serait pas du bien, ça. Bon. Cette fois-ci, les gens, on va y arriver. Je peux même pas monter, là. Putain, c'est de la merde. C'est chiant qu'on puisse pas monter, là. Là, perso, j'étais chaud miraille, quoi. On n'a pas vraiment le choix, hein. Pas vraiment le choix. Mais non, mais putain, mais... Oh là 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 là. Bon, ellipse. Hein. Bon alors, du coup, je suis de retour. Je suis mort plusieurs fois, donc je sais pas en fait si on peut pas genre tenter un truc. J'aimerais bien tenter un émetteur glu en fait. Genre là-bas. Genre qu'il aille voir. Allez, dégage là. Non mais il s'en bat la steak. Genre littéralement quoi. Putain, je vois pas comment faire quoi. Il commence à me saouler quoi. Vas-y. Allez. Quoi? Attends, à quel moment? Attends, j'ai tiré toute mon arme là. Non, c'était ça que je voulais moi. Par là-bas, tes coups de feu. Non mais attends, deux fuck. Non mais attends, deux fuck. Attends. Voilà. Eh non mais lui mais... Putain ça m'a saoulé. Bon désolé, j'ai fait vraiment du caca mais... Ah il m'a saoulé quoi. Alors on y va. Sortons d'ici. Il y a des renforts qui arrivent, Sam. Et l'exfiltration. Briggs arrive en camionnette. Briggs? On en reparlera une fois qu'il t'aura sorti de ce guépier. Retrouve-le tout au bout du jardin extérieur. Ah là, il l'a mauvaise avec Briggs hein. Là, je suis en train de détruire toutes les potentielles sources de lumière. Alors, on en est où avec tout ça? Ouais. Il y a un mec là-bas aussi. Hein. Allez. Voilà. Ah, attends. Ouais, tu sais, le sniper silencieux. Hein. Attends. Ah oui, bah du coup... Ah, génial, je peux faire une exécution avec le sniper silencieux. Ah oui, très très bien ça. Et du coup, ah mais je peux faire des exécutions de hyper loin du coup. Ah oh, c'est génial. Ah oh, c'est génial. Moi oh, je kiffe. Bon. Il y a encore du monde ou pas? Dans le doute hein. Ah il y a forcément encore du monde. Il y a des ennemis
entre toi et le van, Sam. On dirait qu'il porte des armures de combat. Merci beaucoup. Oh là là. Putain, les armures de combat, c'est vraiment un truc de merde. Ah mais comment je passe là? Ah ouais. Ah du coup je suis obligé de passer. Oh putain. Attends. Attends, attends. Oh, attends, il y a un mec là. Oh. Tu peux. Oh putain. Dépêche-toi, non? Putain, le mec il marche plus vite que moi. Allez. Voilà. Ok. On l'appréhende. Ça nous fait de l'argent en plus. Ça nous fait beaucoup d'argent. Alors on a une clé USB, un portable et une cible recherchée quoi. Bon. Donc on va essayer de pas faire de conneries parce que là on est déjà pas mal. Donc si possible on va éviter de faire les cons. On descend. Alors, oh putain. Alors, eux, mais eux, ils sont tellement relous. Voilà. Je sais pas comment je vais faire avec eux. Hein. Franchement, ils sont. Je vais tenter un pistolet incapacitant, mais. Ah non, ça marche pas. Allez. Ouais, 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 ils sont relous. Et là. Yes! Oh yes! Oh! Allez. Détruisons tous les lampadaires. Désolé, hein, je fais ça vraiment propre hein, parce que j'ai pas envie de faire de conneries. J'entends qu'il y en a d'autres, hein, mais. Oh merde, il y a un chien. Ah, vous savez ce qui va se passer, hein. Il est trop proche. Je vais essayer de les avoir tous les deux en élimination, mais. Allez, avance. Avance le chien. Allez. Il a été assommé. Attends, il arrive. Ouais, repart. Voilà. Ça c'est fait. Et alors le chien est de type relou. Mais même de type très très relou parce que. Oh, et puis fuck it. Hein. Désolé, mais je vais tuer le chien. Alors, déjà. Hop. Désolé, le petit chien, mais moi j'aime pas trop les tuer d'habitude. Et là, il était vraiment. Bon. Est-ce qu'il y a encore du monde? Je ne sais pas. Dans le doute, on va grimper là. Plus 100 d'exploration. Très bien. On va go du coup. Hein. Démarre! Mauvaise nouvelle. Je vois au moins une douzaine de véhicules qui se dirigent vers toi. Il y a une autre vague de véhicules ennemis qui approche. On n'a pas moyen de les éviter. Il va falloir passer à travers. C'est-à-dire ? Je fais descendre le drone. Il va se faire repérer. Ça, c'est le cadet de nos soucis. Missile AGM paré. Négatif, je répète, négatif. Ils vont savoir qu'on est américain. Grim. Le drone, feu à volonté. Oh putain, putain. J'espère que tu sais ce que tu fais. Véhicule éliminé. Véhicule ennemi détruit. Ennemi éliminé. Ok, putain, c'est stylé cette phase. Ça me fait penser à Saints Row, ça. Un autre véhicule détruit.
Ok. C'est vrai que putain, ils vont savoir qu'on est américain là, c'est. On est 10 000 fois cramé quoi. Merde, on se fait remarquer. Je parle mal le farci, mais on dirait qu'on a réveillé tous les militaires du pays. Bah, bah sans déconner, attends, le mec qui était quelqu'un de drone. C'est évidemment. Ne blessez pas les civils, je m'en foutrais des civils. Je s'en fous des civils. Je vais avoir des problèmes avec ça. Hop. C'était pas la meilleure idée qu'on a eue. Hein. Bon, en tout cas, on a bien. Ça va, bah, on a pas trop mal réussi. Il y a juste une ou deux conneries que j'ai faites, mais surtout le mec avec le garde, avec le bouclier anti-émeute, il était tellement relou. J'ai pas mal de points en fantôme, là je suis assez content. Après j'ai pas mal de points en panthère évidemment aussi, parce que j'ai tué beaucoup d'ennemis. Au moins une bonne dizaine je crois, une vingtaine, j'ai tué 20 mecs en furtif quoi. Bon je passe pas cette phase, hein, c'est comme d'hab. Hein. Et en assaut j'ai pas dû faire beaucoup de points par contre. Ouais, je fais quand même deux meurtres au combat, c'est presque rien donc. Très bien. 49 minutes on a terminé. Cool. Alors que c'est 75, donc on a fait 25 minutes de moins. Pourtant j'ai un peu galéré hein, quand même, hein, mais. Du coup là on a 321 000 dollars. Ça c'est grâce au truc qu'on a récupéré. Hein. Très très bien. 4 œufs. Je sais pas trop ce que ça représente, mais. Ah non, je crois que c'est juste un truc. En tout cas, 186 000 sans les trucs, c'est déjà pas mal, tu vois. Bon, go. Je sais qu'une frappe non autorisée a été... Il n'y a pas eu d'attaque de drone, juste un dysfonctionnement très regrettable. Oui, bien sûr. Vous êtes dans cet avion pour une bonne raison. Vous êtes censé être mes yeux et mes oreilles sur cette mission. C'est le cas, Madame la Présidente. Sauf que je n'ai pas confiance. Allez, tu ne t'attendais pas à ce que je te félicite. Tu aurais fait la même chose à ma place. Risquer une guerre pour sauver ta vie? Ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt de la mission. La présidente n'est pas la seule à avoir une bonne excuse. Les données qu'on a prouvent que l'Iran n'a rien à voir avec la Blacklist. Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, je sais ce que tu veux dire. Tu penses que j'ai fait un mauvais choix comme Briggs à Londres, c'est ça? Les décisions que nous devons prendre ne sont jamais simples, Sam. Jamais personnelles non plus. Ah, vraiment? Alors prenons un exemple. On sait tous les deux que tu prendrais tous les risques si la vie de Victor était en jeu. Victor n'a rien à voir là-dedans. C'est pour lui que tu es dans cet avion. La seule chose la plus importante que la mission, c'est l'équipe. Graham. Merci. Tu veux me remercier par la Briggs? On aura besoin de lui si on veut réussir. Hé, hey, les gars, le mouchard qu'on a posé sur la bombe, il arrive aux États-Unis. Bon. Eh putain, elle l'a achevé, là. Elle lui a dit... elle a dit ses quatre vérités, là. Elle a pas compris, quoi. Attends, dans 2 heures, la prochaine attaque de la Blacklist. Donc on va retourner en Amérique, je suppose. Où ça, d'ailleurs, on va voir vite fait. Philadelphie. Oh putain, ça va être la street. Très bien, bon, pour la fin de l'épisode, on va juste aller parler à Sarah, et puis la prochaine fois, on parlera un peu à tout le monde. Et on ira surtout prendre des armes, parce que, enfin, des équipements. Enfin, ou rénover le truc, enfin, je sais pas, on verra bien. Allô? Papa? Salut. Je voulais savoir comment tu allais. Je sais pas. J'ai peur. Le compteur de la Blacklist tourne, ça rend les gens dingues. Tout le monde va se planquer à la cave. C'est pas le pire endroit en ce moment. On va déclarer la guerre à l'Iran. Parce que c'est ce que tout le monde dit. Ça dépend surtout de la présidente. Et si elle lit assez vite les rapports de Grimm? Est-ce que vous... Non, je vais pas demander. Bien. Oh, avant que j'oublie, l'oncle Vic te salue. Il est réveillé? Tu lui as parlé? Pendant 5 minutes avant qu'il le rendorme à nouveau. Il souffre beaucoup. Mais il m'a dit de te dire qu'il va sortir et que tu lui dois une bière. Ça lui ressemble bien. Je suis content qu'il aille mieux. Bon, chérie... J'ai une faveur à te demander. Ne sors pas demain. D'accord. Parfait. Papa, Je voudrais t'expliquer, mais... Je peux pas. Fais-le pour moi, ma puce.
Bon, bah écoutez, discussion sympathique. Victor Cos va beaucoup beaucoup mieux. Et voilà, écoutez, franchement, je pense que la prochaine mission va être pas mal étant donné que on est à. Enfin, c'est pour déjouer encore un attentat, donc ça va être vraiment la street, je pense. Du coup, Briggs est à nouveau dans notre équipe, je suppose. Et la présidente, elle, par contre, elle commence à en avoir un petit peu marre de qu'on fasse un peu de la merde. Mais bon, au moins, c'est clair, on n'est pas impliqué dans la blacklist. Et donc, on va pouvoir savoir un peu plus, en savoir un peu plus sur la véritable identité des blacklists dans le prochain épisode de Splinter Cell Blacklist. À la prochaine, c'était The Rue. Allez, salut tout le monde. Salut, salut, salut.